Va lire, va lire. Comme un verre qui fait. Elle peut pas te toucher, Léo. Moi, qui est pas une amie. Ok, elle va se faire mal. Okay. Mesdames et messieurs, scolaire, un wawaron. On dit tout le temps wawaron, wawaron. S'il y a des wawaron ici, ça sonne comme des wawaron. Ben, c'est ça. C'est gros. C'est une en anglais, c'est un bullfrog. Une grenouille bœuf. Wawaron. Taureau. Ouais, ok, ouais. Bull, ça veut dire. Ça veut dire quoi, bull? Saviez-vous, les enfants, qu'une tortue pouvait s'étirer le cou autant que cela? Puis saviez-vous que la queue d'une tortue, ça a un peu de l'air d'un dinosaure? Hein, le saviez-vous? Vous! Puis qu'une carpe, ben, ça a l'air d'une carpe. Vous le savez-tu que les graisses, ça ressemble à... À quoi? À des lions. Oui. À maman. À les lions. Aussi. Le saviez-vous? Vous? Ici, on retrouve nos amis les crapes à soleil. Regardez ça. Les autres sont gros. Puis même qui se courent après pour se manger. Ça a l'air d'avoir un mauvais caractère comme des cyclidés, comme John. Ouais. Karen, te souviens-tu de John? Oui, je me souviens de John. À un moment donné, j'ai dit... Tu as dit quoi, ouais, John? Je ouais, hein? Il était vraiment méchant, c'était pas ça. Il était de la nourriture, puis là, quand tu te reculais, là, il était rendu à un bon mètre. Puis là, il me donnait un coup, fait que là, on volait tout sur toi. Ouais, il était carré. Fait que nos amis de Sainte-Béatrix sont là, mais en bien plus gros. En vraiment plus gros. Mais je pense que c'est pas mal la grosseur d'un crêpe à soleil maximum, ça. Ah, l'avez-vous-tu vu? Ça, là, ça ressemble à John, justement. Hé, Léo. Ça, là. C'est du barbu de rivière puis de la barbu brune. Mais ça, là, il y en avait dans le fond du lac. On l'a vu. On appelle ça de la barbotte du barbu, non? Ouais, celui-là, c'est un albinos puis il manque un œil en plus. Il est vraiment épeurant. Hein? Pourquoi il manque un œil? Je sais pas. Il est peut-être né comme ça ou ça l'est fait arracher lors d'un combat. Puis il se cache aussi, hein, il craint. C'est ça, la barbotte? Ouais, c'est de la barbotte, ben, du barbu. Mais ça, il y en avait dans le lac. C'était pas mal pour ça, là. À Sainte-Béatrix, en déplaçant des bûches de bois, on a déplacé un beau comme ça. Ça m'a un petit peu attristé parce que là, je me suis rendu compte que le bois mort qui traînait sur le terrain à Sonia, ben, il y avait des crapauds dedans. C'est beau, là, puis je pense qu'ils ont des petits problèmes, les crapauds de nos jours. C'est triste que j'ai brisé son habitat, mais bon, je m'excuse, monsieur le crapaud. C'est vraiment beau. Ok, je savais pas qu'on pouvait avoir des si grosses couleuvres au Québec. Mais là, peut-être que ceux-là, c'est parce qu'ils sont vraiment bien nourris, là, puis sont bien aux petits soins. Mais ça a l'air des serpents que mes chums avaient dans leur appartement, là. Des petits boas constricteurs ou des petits serpents de maison, là, que le monde achète dans des pet shop. Non, c'est vrai. Ça, c'est une chouette rayée, épervière, je veux dire. Et elle tourne la tête complètement. Oups! Bonjour! Je chèque bien trop, là. Eh oui, c'est ça, 180 degrés. Fais-nous un 180, le chouette. Wouhou! Ok, je retire tout ce que j'ai dit. C'est écrit danger en plus. C'est-à-dire, faut pas s'approcher. Ouais, ça, c'est le king de la place. Il est supposé être attaché. Avez-vous vu? Juste, attendez, là, je vais approcher. Avez-vous vu ses serres? Sa grosseur de. Ses doigts, là, de serre, sont plus gros que mes doigts. Facilement. C'est comme une poigne d'un gros bûcheron bien, bien fort. Puis là, son bec, ben là, j'imagine que c'est bien puissant, ça, là, cette histoire-là. Il a l'air d'être fatigué, mais il est là. Moi, j'en reviens pas, les serres. T'es-tu capable de faire un zoom, hein, sur les serres, Karine? Comment c'est gros? Non, ça ne me pas assez. OK. Hé, hey, Léo!
On a-tu repassé par une autre porte magique, puis on est rendu où, là? T'avais dit quoi tantôt? On est rendu au chute-soleil. Chute-soleil, ah, je les connais pas ceux-là. C'est une porte magique qui mène à une porte au contre... chute-soleil, puis là, ça fait... Ça va vraiment vite. Regarde. Ça, c'est l'eau, là, qui commence à faire... OK, viens-t'en, on va aller... Ah, je filmais même pas. On recommence, Léo. Encore. C'est là, c'est à côté. Non. Vraiment. Je te dis comment ils sont fous. Je te le dis. Qu'est-ce qu'elle a sur les pattes? Qu'est-ce qu'elle a sur les pattes? Une bague pour l'identifier. Ouais, elle est belle avec une bague. Ouais, hein? Elle a peut-être trouvé une bague puis elle l'a mis sur son bec. Non, 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 c'est une bague d'identification puis c'est un humain qui a posé. Mon Dieu, ils sont excités! Pour qu'elle vole plus longtemps. Non, c'est pour si elle se sauve, ben ils vont savoir que cet animal-là vient d'ici. Qu'il a déjà été capturé puis qu'ils vont tout avoir l'historique de l'animal. Tu comprends? Son histoire, son nom, son âge, son poids. Regardez ça, comment c'est beau, un cerf de Virginie. Ouh, un cerf de Virginie coupé en deux par un arbre. Avec un écureuil dans l'arbre, si vous regardez bien là. Oui, je regarde ça, c'est beau. Ah, des fesses de cerf de Virginie. C'est bon, c'est beau. Oh! Elle m'a entendu. Arrête de m'aimer de même!